Voili voilou. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon là, on n'est pas beaucoup, mais j'espère que ça va arriver. Nous allons continuer Ghost Song. Très bon jeu. Alors, je n'ai point besoin de ça. Par contre, voilà. J'ai besoin de ceci. J'en étais où, moi? 7 heures de jeu, c'est pas mal. Hein, c'est plutôt pas moule. Que fallait-il que je fasse? Je ne sais plus. Go. Donc ok, j'ai ramené la pièce au gars. Et je peux maintenant m'aventurer, il me semble, double saut. Qu'est-ce que j'ai déjà? Je m'en rappelle plus ce que j'ai comme, comme option. Alors, le daddy Gamer Chief, il est en ligne. Alors attends. Qu'est-ce que j'ai déjà comme option? Je m'en rappelle plus. Augmente la portée des tirs du blaster de base. Ouais, ok. Coup en puissance. 4, 5. Ouais, ok, c'est la fête. Non. La map. Elle est où la map? Il me reste quoi à prendre? Le rouge. Il me reste le rouge. Et c'est tout. Et c'est tout. J'ai pas une mission ou quelque part. Bien le bonsoir à ceux qui arrivent. Voilà, faites comme chez vous. Installez-vous, tranquillou bilou. Et nous on va continuer Ghost Song. Hein. Voilà, le bon petit jeu des familles que je kiffe. Je vais voir si on me donne pas une petite mission. Personne ne me parle, tout le monde est en dépression. Ok. Le mec il me donne des trucs gratuits, je prends. Vas-y, let's go. Je sais plus si je suis allé là-dedans avant ou après la save. On va voir. Ouais, super. Fais attention de ne pas laisser évoquer, super. Vas-y, let's go. Je passe peut-être un peu vite, mais il faut juste que je retrouve mon objectif. Ça serait bien. Pourquoi je peux pas y aller, c'est fermé? It's closed. C'est la loose. Hop. Watch your step. You're jumping on the floor. Ouais, ok. Magnifique. Donc on me dit strictement rien. Double saut, dash. Je pensais avoir récupéré un truc de plus. Non. Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas on va se casser direction le point rouge. Parce que si je me TP... Ah oh, mais je peux me TP ici en fait. Tac, tac. Ouais, je peux me TP là, c'est parfait. Tac, tac, tac. Ok, let's go. On va faire ça. Je sais pas si je suis proche de la fin du jeu ou pas, mais ça serait triste. Oh. Oh, salut. Hi. Hi. Yes.
hop, hop. Allez, petite TP. Que veux-tu faire? Ça c'est votre cher. On va se TP à Utter Drop. Bonsoir, bonsoir. Alors logiquement, Utter Drop, ça devrait être ouais, c'est ça, c'est exactement la TP que je voulais faire. Et comme ça, je peux partir vers la pastille rouge. Faut aller chercher le module rouge. Donc on va voir si, bien évidemment, je peux aller récupérer tout ça en un seul morceau. Parce que j'ai pas envie de mourir. Hop, hop. Puis il y a des ennemis, ils vont me rendre fou là. Je sens. Eux. Non, ça va. Parce qu'ils sont un peu relous. Hop là. Ça laisse des miettes. Je sais plus. Chier. Hop, hop. Double saut. Le double saut, c'est tellement la vie dans les Metroidvania. Donc ensuite, je peux aller où? Parce que là, je suis zoomé au max. Donc pour aller chercher cette pastille rouge, par où dois-je passer? Hop, hop, hop. Je vais passer par en haut. Je sais pas ce qui lui arrive la pauvre, mais elle va pas bien. Merde, je peux pas passer par là. La loose. Ah tiens, mon collègue. Eh viens copain. Je vais t'apprendre. Hop là. Petite erreur technique. Donc ça m'aurait intéressé de monter moi en fait. Mais je peux pas. Ça c'est hyper pratique. Ok, on va aller voir ce qu'il y a là déjà, ce long couloir. Ah, ah ben il y a un boss. C'est quoi, je perds ma vie. Y a-t-il un boss? Il paraît qu'il y a un boss. Wouah, toi tu as l'air vénère gros. Toi t'as l'air vénère. Ah ouais, c'est le truc blanc qui me... Ok d'accord. Oh, défends-toi. Ah, qui m'appelle? Alors, 2 secondes, parce que je vais devoir muter, forcément. Les aléas du direct, donc nous revenons dans nos moutons. Oh le fafa, il est là le fafa. Bah écoute, ça va. J'ai eu un petit contretemps appel téléphonique que j'ai dû gérer, mais ça va. Normalement, ça devrait aller. Attends, je te dis pas de bêtises. Si je mets ça là et ça que je mets ça là, voilà, normalement, on est bon. Voilà. Normalement, on peut reprendre. Ça, je vais faire avec la taxe. Voilà, mais c'est pas grave. Je n'étais pas concentré du tout. Hop, hop, hop.
Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est passé ce mode-là, ce mode-là? Voilà. Bon, normalement tu m'entends. C'est ça, normalement c'est bon, tu m'entends, tout marche bien. Et je vais essayer de pas me faire éclataxe sur ce boss. Et là, ça sera plus compliqué parce qu'il m'a déjà tout démonté. Super. Voilà, super. Je suis mort, magnifique, c'est génial. Voilà, parfait. Merci le coup de file. Bon allez, voilà, faut que je recommence tout. Super. Je suis très 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 content. Déjà, je vais mettre sur sonnerie, sur vibreur, je veux dire. Voilà, comme ça, personne ne me fera yesh. Le fafa, comment il va le fafa? Contre un boss, il m'a démonte, mais c'est pas grave. En même temps, j'avais qu'à faire la sauvegarde proche du point de chute. C'est ma faute, tant pis pour moi. Voilà, faut que je recommence tout. Je suis content. Téléportation ici. Alors, que fais-je, que pourrais-je? Hop hop hop. On va essayer de retomber à mon point de chute le plus vite possible. Tac tac. Hop, trop de puissance. Voilou. Alors, en fait non, j'aurais pas dû faire ça. Tu vois, bête comme mes pieds, il faut que j'aille sauvegarder, tu vois. On va sauvegarder le plus proche. Au plus proche du moins. Ça m'évitera déjà de faire un petit aller-retour gratuit depuis le QG. Hop hop. Là, normalement on est bon. Voilou. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Donc on va se sauvegarder. On va sauvegarder ici. Comme ça au moins pas de problème si je meurs, parce que le boss il m'a démonte quoi. En plus c'est genre phase 1, hein. J'imagine même pas les autres phases. En tout cas il m'a cassé la bouche. Bon, le petit appel que j'ai reçu a perturbé entre guillemets ma concentration. Mais c'est pas grave. Hop. On va essayer de faire au mieux. Lui on s'en balèque. Lui aussi. Hop. Tac. Donc notre ami il est où? Notre ami, si je passe par là, logiquement ça devrait le faire. Oui. Non. Non, j'ai oublié de passer par là. Non. Normalement je peux. Bon, on va tester. Non, c'est quoi cette blague en fait? Ah voilà. C'est bien. Voilà, c'est là que je tombe.
Voilà, en plus j'avais la jauge de l'ennemi pour mieux le défoncer. Alors logiquement, si je suis là, je suis passé de l'autre côté, et là je devrais me faire défoncer contre le boss, c'est ça? Je sais pas. C'est possible. Technique à l'ancienne. Allez. Thank you.
la feinte de ça. Yes. Yes, I, yes, I. Ah, attends, ouais, tu m'excuseras, j'étais en plein. J'étais en plein boss, il m'a rendu fou. Mais bon, ça va. Alors, j'ai compris la technique après. Et merci, papa, ça fait zizir. Et bon, ça, je vais boire un coup, tiens. Comment il va, le Pierrot? Comment il va, le Pierrot? Le soutien, il est là, le soutien. Et ouais, tu le sais, je le fracasse, le GG du Goldorak. Fulgure au point, Astéro H, je le démonte. La base. Tranquillou, tant de merde, ça va. Ouais, bah écoute, il fait pas super beau ici non plus, donc voilà. Je vais juste dire à mon pote de venir en live. Voilà, comme ça, il y a le copain qui va arriver. Il y a le Vauclusien qui arrive. Voilà. Donc écoute, ce matin, à part le Pôle emploi qui m'a rendu fou, j'arrive à m'envoyer dans une de leurs structures où la meuf a commencé à me dire « Oui, alors on va commencer une formation qui va durer 90 jours et puis à la fin de la semaine, vous allez avoir un numéro SIRET, on va monter votre entreprise. » Et j'ai « Ouais non, je pense qu'on s'est trompé, madame. » Je dis là « Je pense qu'on s'est trompé. » Je dis « C'est pas du tout ce que je recherche en fait. » Tout du moins, pas de suite actuellement. Donc voilà. Donc grosse blague. Donc je pense incompréhension avec... qu'on appelle ça... celle qui s'occupe de moi, donc au Pôle emploi. Qu'est-ce qu'ils disent? Big bots. Locate many big bots. Ok, d'accord. Écoute, let's go. Réparation. Ok. J'ai toujours pas assez de pognon, mais c'est pas grave. Donc, ouais, donc incompréhension et tout, mais c'est pas grave. Ouais, en même temps, j'ai envie de te dire. Que ce soit ANPE pour l'emploi, ça fait 20 ans que j'ai pas mis les pieds chez eux. Voilà, changez rien, vous irez loin, quoi, comme je dis souvent. Le module, il est où le module, papa? Ah, j'ai pas vu un truc là. Ah, j'ai pas vu un truc là. Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce que c'est? Non, attends, là par contre. Oh, ce double saut est quand même incroyable. Tu peux aller jusqu'au bout de la night avec ce double saut. Hop, voilà, Mino. Ah, c'est vraiment des branquignoles, quoi. C'est déjà de base, genre c'est pas gagné. Alors en plus, s'ils sont pas aidés, surtout la femme ce matin, elle est là. Il est là, le Koda, ils sont là, les copains. Les copains, ils sont là. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Koda? J'ai vu que tu m'avais envoyé un screen là, sur Facebook là. Attends, je check ton screen. Ah, mais c'est sur ton jeu que t'as acheté sur ces Discount ou Amazon là. C'est la map de Hawa. Ouais, je comprenais pas, tu sais, j'ai vu ça en flash. Mais vu que j'étais en live, donc je pouvais pas, entre guillemets, prendre un peu de temps pour aller sur Messenger. Long ou voilou. Donc là, j'ai ma femme qui est partie sur Hogwarts Legacy. Donc voilà. Donc moi, j'ai basculé sur Ghost Song. J'avais 2-3 petits mails à régler, puis voilà. Ah ouais, la map, elle est immense à l'ancienne. Je sais pas s'il connaît Pierrot. Donc je sais pas si mon ami Pierrot il connaît ce jeu. Mais tant ouais, en fait. Tant c'est possible. Ah, il va te dire. Il va te dire ce qu'il t'a donné là. Il t'a donné la moitié du nom en fait. Il t'a donné Awa. Voilà. Et puis après, c'est. Tu te démerdes. Par contre, mon gars. Comment je récupère ce dobe là? Nah, mais je suis un teubé, faut passer par là. Allez, Michel. Awa Legacy. Ça a l'air sympa. Donc je pense qu'une fois que tu l'as fini, tu me l'envoies, tu vois. C'est le mec normal. Le mec normal. Une fois que tu l'as terminé, tu me l'envoies. J'ai à peu près 12 600 jeux à faire, mais écoute, envoie-moi encore un autre jeu. T'imagines que normalement en 2022, je devais avoir Octopath Traveler comme fil rouge sur Switch. Je pense que
ça va finir pour 2023 en fait l'histoire. Parce que j'ai pas le temps. Je coco pas du tout pour le coup. Ouais, en ce moment les pixel art c'est en moi quoi. On se fait plaisir avec les petits pixel art. Et puis le coda il a pris Ghost Song. Voilà, il s'est fait zizir, il s'est mis la race Mino. Alors en fait je peux pas en parler parce que ça sort le 13 mars, enfin j'ai un embargo jusqu'au 13 mars. Mais je suis sur un autre là. En review, je suis sur un Metroidvania aussi. Mais je peux pas en parler. Voilà. Donc Moutus et Bouchkouzux. Voilà. Ah ouais, non, ce week-end. Alors le problème c'est que ma chérie n'a pas pu venir malheureusement. Donc encore un petit peu fatigué. Mais non, ça c'est. Ça s'est plutôt bien passé, écoute, j'ai revu les copains, c'était le plus important et tout, donc ça c'était chouette. Parce que forcément, t'y vas pour les copains, puis le salon c'était la première, c'était vraiment cool. Voilà, mais par contre il y a une grosse news, c'est-à-dire pour le Nemco Game Show le 15 et 16 avril, à Beaumont-le-Roger en Normandie. En fait, donc je co-anime sur scène et il y a Marcus, donc je vais co-animer... une animation que Marcus va faire sur scène, donc ça va être juste incroyable. Ça va être un peu la folie quoi. Donc j'ai déjà hâte en fait. Sans doute hein. Toi t'arrives... ouais, il y avait Nemco, Cyril 2.0, il y a notre pote Sylvain de Matos and Game, donc voilà, non c'était cool tu vois. Donc moi j'ai pu prendre plein de petites photos, il y a eu un petit concours cosplay qui était sympa. Voilà, tu vois, ça reste bon enfant, c'est familial, franchement c'est cool. Et ouais, donc en fait, il faut savoir que Marcus c'est un très très bon ami au Nemco. Surtout au papa qui le connaît depuis très longtemps. Et en fait, pour moi, ça a toujours été le mec qui m'impressionne en fait. Tu peux demander à Koda, tu sais moi je suis un mec nature peinture, balèque tu vois. Mais Marcus il m'impressionnera toujours autant tu vois. M'impressionnera toujours autant. Toi, j'aime bien mon Shakespeare, j'ai envie de te dire. Mais voilà, donc écoute. Alors à la base, c'était prévu que je co-anime avec Guillaume parce que pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, donc là, c'est l'occasion, tu vois, pour faire ça ensemble. Donc ben, on aura les micros, tout ce qu'il faut et tout. Et voilà, donc ça va être chouette. Et en fait, donc t'as plusieurs salles, donc tu vas avoir les micros qui vont être répartis dans les salles avec les enceintes pour animer, pour annoncer les tombolas, etc., etc. Donc ça va être cool. Et en fait, il m'a dit ah ouais, mais Marcus, il va faire un truc sur scène et tout, donc on va co-animer. Je dis ouais, ok, let's go. Donc écoute, ça va bien se passer, tu vois, je le sais, mais voilà, toujours un petit coup de pression parce que voilà, donc Marcus est toujours un gars qui m'impressionne. Donc voilà. Donc je pense qu'il va y avoir ou un petit... J'aimerais bien faire un live Twitch mais ça peut être compliqué. Ouais, c'est toujours à Beaumont-le-Roger dans le 27 en Normandie. Voilà. Donc non ça va être super cool et tout. Nous on y va le vendredi pour les aider à installer. Et on reste le samedi dimanche où ma petite femme va accueillir les guests, tout ça et tout, pour leur préparer le bon petit café des familles, pour les accueillir en salle presse, pour qu'ils se sentent bien tu vois. Donc ça va être chouette. Et puis moi je serai en train de faire le guignol dans le salon avec mon micro pour co-animer avec le Nemco. Donc ça va être de la bombe. Alors voilà, ça va être une bonne expérience, on va rigoler. Et puis de toute façon, voilà, ma femme on aime ça, les salons, les conventions et tout, donc ça va être cool. On va kiffer en fait. Ouais. Ah tu sais, faire le guignol c'est ma passion tu vois. Non mais voilà, donc on va se faire plaisir, surtout ça va être de la bombe. Vous voulez pas venir faire ça dans le 47? Oh le 47 il m'a dit. C'est où le 47? Ça existe sur la carte ou pas le 47? On se croirait une tombola, on se croirait au loto du coin. Kin, le 47. Là, carton plein. Lot-et-Garonne. Est-ce que le Lot-et-Garonne c'est loin? C'est loin qu'on appelle ça, de Beaumont-le-Roger. Faudrait que tu tapes Beaumont-le-Roger dans le 27 et Lot-et-Garonne dans ton bled perdu de la Pampa.
Oh, par contre, j'ai une très très bonne nouvelle. Ouais, t'es là, Pierrot, c'est très très bien. Koda, il faut qu'il te parle d'un truc. Je vais donner des indices. On va parler d'Internet, fibre, 5G. Donc, Koda, il va te parler d'un truc là. Parce que, mec, t'as, on peut te sauver la life en fait. Koda, je pense qu'il s'est sauvé la sienne. Bon, moi, ça va, moi, ma série Netflix, fibre, c'est bon, c'est fini. Koda va peut-être se sauver la sienne. Mais il peut peut-être sauver la tienne. Donc, s'il est encore là, Koda, il va te le dire. Il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit ça. J'ai dit, mais what the fuck, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou en fait. Donc, je sais pas s'il est encore là, là, Charlie et Lulu. On va lui marquer un petit allô. Parce que, tant, lui, il est allé faire un prout. Ah, il est là. Voilà, là, il est là, le Koda. Donc, voilà, il va t'en parler, il va te dire ce que c'est. Et franchement, incroyable. Quand tu m'as dit ça, c'était what the fuck en fait. Là, je suis où? Je vais où là? Pourquoi je vais là en fait? J'ai strictement rien à faire ici. Pourquoi je viens là? Tu vas sur le site de Bouygues, tu regardes par rapport à ton adresse si tu es éligible à la box 5G, ok? Ouais, mais attends, il y a une astuce. Tu vois, Pierrot, il y a une astuce en fait. Il faut pas passer par le chemin légal, tu le sais. Faut toujours contourner le problème. Koda, il va te sauver la vie, mec. Tu vas devoir lui payer une petite bouteille là. Hop. Et en attendant, pendant ce temps, je fais des petits sauts de cabri. Parce que cabri, c'est fini. Je suis désolé pour la vanne dégueulasse, les copains. En fait, faudrait que tu essayes en fait ce qu'il te dit. Parce que tout à l'heure, il m'en a parlé, il m'a montré, et lui, il est éligible de ouf. Donc, tant ça peut faire la même chose pour toi, tu vois. Et franchement, si ça marche, mec, vas-y, let's go. Tu vois, tu fonces. Ça coûte pas super cher, honnêtement. Ah ouais, de Cabri c'est fini. Très très bonne vanne mec, parfaite cette blague. Je vais où là? Where Ben voilà, je vais chercher le module, bordel. Us. Allez, let's go. Let's go, let's go. Et oui, c'était ma... Non, mais c'est pour wow, con. Faut pas faire ça, monsieur. C'est dangereux pour la santé de faire ça, en fait. Hein. Mais honnêtement, ouais, tu nous tiens au courant, Pierrot. Parce que si tu peux le faire, mec, ça va être la révolution, quoi. On va avoir tous la fibre de manière différente, mais voilà. On va se faire des lives de fou, là. Par contre, là, c'est pour la fête du slip, là, non? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une alcôve avec une espèce de ver de terre dégueulasse? What? Pourquoi je viens là? Plus. Attends, mais il y a un point de sauvegarde là. Pourquoi il veut pas pop? Vas-y, pop, Mino. Et voilà, là, il y a la sauvegarde, tu le sais. Donc vas-y, fais le test en live là et tu nous dis là. Parce que là, tu nous dis que quoi? Il y a SFR comme monopolisé. Ok, on s'en fout. Uniquement Free SFR. Ah là là. Faut savoir qu'en fait, ça c'est sorti en janvier de cette année. Voilà, et ils en parlent pas. Donc fais-toi plaise. Et puis, let's go. Tant t'es éligible et tu le sais même pas, tu vois. Tout autour de ma ville, c'est en bleu. Ça veut dire quoi, bleu? Koda, ça veut dire quoi, bleu? Est-ce que bleu c'est bon? Ma ville est pas incluse. Bah, déplace-toi, mec. Tu sais quoi, tu mets la box genre à la limite dans le cercle bleu, tu vois, et tu tires un câble RJ45 de 32 mètres, de 100 mètres, tu vois. Tu prends un double blindage ou un triple blindage, tu mets 200 € dans un câble RJ45 et t'envoies tout, tu vois. Non mais c'est quoi la ville que t'habites, gros? Bien
Le mec il habite une ville qui n'est pas répertoriée en France quoi. Oh putain mais la loose quoi. T'imagines oh, le pas de chance quoi. What is this? Est-ce que je vais affronter un papillon? Putain le gars ils habitent dans des bleds. Laisse tomber quoi. Oh chien. T'es pas mort? Attends, je vais regarder les autres OP. Voilà, alors en fait le truc c'est que l'histoire en fait c'est, il t'a pas peut-être donné le complément. C'est que Bouygues avec cette box 5G, ils sont en data no limit jusqu'à 1 gigabit seconde et 50 ou 60 en upload. Ça tu t'en bats les reins ça tu vois. Mais voilà. C'est ça l'astuce, c'est que eux, leur box, elle est zéro data. Je te dis, c'est 56. J'ai en plus, genre, je regarde la petite vidéo de démonstration qu'ils font. Franchement, c'est clean, c'est propre. Et 58 mégas maxi en upload, et par contre, jusqu'à 1,1 gigabit seconde en download. Et après, essaye de faire le forcing, tu vois, par chez toi. Franchement, ça peut valoir le coup. Les mecs, tu fais un coup de mytho là. De toute façon, regarde, en plus, Koda, il t'a pas dit, mais en fait, t'as 30 jours d'essai. C'est 40 balles sans engagement, t'as 30 jours d'essai. Ce que tu fais, tu vois, tu fais style, tu l'as fait livrer dans un point relais, tu mets une fausse adresse ou je ne sais trop quoi là. Et tu te fais livrer, tu fais un test, toi, tu t'en fous. Parce que tant la couverture, c'est juste une couverture visuelle sur le site. Tant peut-être que physiquement, ça couvre, tu vois. Même si ça couvre qu'à moitié, tu t'en fous, tu vois. Tu te tapes la nouille. Ou alors je la commande pour moi, je te l'envoie, tu testes. Un mec gros bordel, tu sais. Le mec qui fait 6 colis, 3 envois. Le truc nawak. Oh les modules là, détendez-vous. Alors qu'est-ce que tu racontes debout? Alors. Ben je sais qu'ils sont en train d'installer en ce moment l'antenne, autant tout va être débloqué dans 2 mois. Ouais parce qu'en plus le truc c'est que ça, cette offre là, moi j'ai vu un article qui date du 17 janvier. Donc genre c'est vraiment tout récent. Et en fait Koda quand il a appelé le technicien de Bouygues, c'est lui qui lui a dit tu vois. Il lui a dit mais ouais vous habitez où? Ok mais vous êtes couvert avec la 5G. Ben, vous avez juste à prendre un forfait 5G tu vois. Et puis let's go. Pourquoi se casser la tête en fait? C'est une option que t'achètes. Je crois que c'est une option que t'achètes qui coûte 1000 balles, je crois. Au QG. Qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord, détends-toi, gros. Et tu vas te détendre. Hop là. Oh ouais, donc c'est un truc que t'achètes. Et honnêtement, ça sauve la vie parce que j'ai failli me faire avoir plusieurs fois. Et je la voulais cette option en fait. Je la voulais impérativement. Alors certes elle est ultra mini la barre de vie, mais au moins tu la vois tu vois. Et c'est juste hyper super méga important. En fait ça t'évite un peu d'anticiper tu vois. Ouais vas-y t'inquiète le Pierrot, de toute façon on reste un petit moment là. Là on a tous mangé un petit peu tard. Ma femme joue à Hogwarts Legacy, elle se régale. Parce que j'ai monopolisé un petit peu la télé aujourd'hui. Mais non, vas-y, t'inquiète, il n'y a aucun problème. Ah, le codage. Le fait d'avoir la barre des ennemis, là, c'est juste. Trop bien, quoi. Là, j'ai fait de la merde. Après, il y a plein de petites options dans ce jeu, franchement, elles sont trop bien, quoi, mais. Ça veut dire que, genre. Il me dit que là genre, je peux descendre. Je suis pas fou. Il y a quand même une ouverture là. Ça va m'énerver ce jeu.
Mais honnêtement, franchement, Koda, je te souhaite que ça fonctionne parce que ça va être de la bombe, quoi. On va se faire des petits streams, on va se faire des petites soirées sympas, on va se faire des petits games. T'as pas la Switch si t'as la Switch? Je sais plus si t'avais la Switch ou pas. Nous, on a l'abonnement familial. Donc si t'as la Switch, on va pouvoir faire des petits games et tout, ça va être trop bien. Oui, j'ai aussi. Oh, bah écoute, c'est parfait, quoi. Ouais, tu vois, un petit Mario Kart ou un petit. Je sais pas trop quoi. Ou alors peut-être que t'as pas Mario Kart. Bon, par contre, les ennemis là, vous me cassez la tête en fait là. Sur là, j'ai décidé de passer par en haut. J'ai décidé de passer par en haut. Est-ce un bon choix ou pas? Vas-y, dégage, mes morts. Alors, bah, ça devient tendu parce que là, je pouvais passer par en bas. Par contre, j'aimerais bien récupérer le module là parce qu'à un moment donné, il me casse la tête là. Quel est ce bruit de piétinement? Quel est ce bruit, ce piétinement? Oups! Sprach, you fucking bitch! Bon, on va se mettre à l'abri. On va recharger un petit peu les. Non! Voilà, on va recharger un peu les missiles. Donc ça veut dire que potentiellement Koda demain voire mercredi tu peux envoyer du lourd quoi. Ça serait juste énormissime en fait. Je vais tomber sur un ennemi comme par hasard. Oh, t'imagines genre mercredi soir ou quoi t'as. Ah demain t'as le matos, t'as eu le tracking. Oh le mec il va se mettre dedans quoi. Il va se mettre dedans le gonze. Ça l'a fait du strip quoi. J'ai reçu le mail de chrono. Oh mec. Ah ouais, en plus tu fais livrer en point relais. Tu fais livrer à ton boulot ou en face, tu m'as dit. C'est en face, je crois, non? Il me semble, que je dis pas de bêtises. En face, je gère pas les chronopostes. Ah ok, merde. Oh, de toute façon, aïe. Genre c'est quoi, c'est un point relais? Si c'est un point relais, c'est de la bombe. Donc ça veut dire que potentiellement demain soir tu peux m'annoncer une bonne nouvelle quoi en fait. Si au moment donné si tout va bien quoi. J'imaginais le Koda il a la fibre gros. Ah par contre là il y a un boss. Là, ça va me plaire. Il va falloir que je reste concentré. Voilà, donc ça se passe là maintenant. Je sais pas ce qui va se passer en fait. Parce que là, la save, elle est où là? Détends-toi. Non. En fait, je suis pas pris pour ça en fait. Voilà, lâchez-moi. Commencez pas à me casser la tête. Bon, je sais que ça va être relou ici là. Je vais avancer petit pas par petit pas pour éviter de. Oh ouais d'accord. Comme par hasard, c'est pas celle que j'ai détruite. Deux. Ça va me rendre fou. Je sens parce que celle qui va sortir, ça va pas être la bonne. Ah si, c'est la bonne. Us, qu'est-ce que tu fais? Ne fais plus ça. Ne fais plus jamais ça.
Détends-toi. Allez, dégage. Yes. Elle file. File au moins de là. Voilà. Pas forcément un boss, mais une zone. Le boss, c'est Toupi Blue Blade. Encore, c'est pas un boss parce que tout à l'heure, t'étais pas là. J'ai affronté un vrai boss, mec. Il m'a mis deux gifles. Il m'a démonté. C'est quoi ce. Ah. Je me disais bien qu'il y avait une connerie là. Je me disais bien qu'il y avait une connerie en fait. Oh, détends-toi, qu'est-ce que tu fais toi? Mais lève-toi! Jamais. Je peux pas passer? Ah si, je peux passer. Et pourquoi en fait. Je pense qu'il faut que je détruise tout le monde pour avoir un petit bonus. Ou alors c'est juste une pièce étrange. Parce que normalement en fait quand t'as ces portes blanches, normalement c'est un boss. À moins que le boss il soit là. Ah ouais, ça remet de la vie, putain il va y avoir le boss. Alors attends. En fait, je veux voir un truc. Je pense que je peux passer par en dessous. Non, mais c'est une blague en fait. J'avais juste à descendre ici. Pour potentiellement affronter le boss. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais me save. Attends. Ah, ok. Ok, je pouvais le casser par en dessous. Voilà, c'est là où je cherchais depuis tout à l'heure à passer en fait, et c'était là. Donc là, je vais pouvoir retourner saved. Ok, je comprends mieux maintenant. Voilà, on va sauvegarder pour éviter de se faire éclataxe. Mieux vaut se préparer que de tout recommencer parce que des fois les checkpoints ils sont loin. Enfin, tu me prends pour un fou quoi. Ouais putain c'est loin là, c'est pas grave. Allez. Regarde le pyro il avait la madré. Il veut savoir comment on fait là. On appelle ça la recette de la merguez sautée au barbecue. Putain c'est vrai qu'on peut courir, j'y pense pas à chaque fois à courir. C'est toi qui me l'a dit à la fois en plus. Tu m'as dit mec tu peux courir et genre je cours pas en fait. C'est de blague. Bon sinon, question bête, le Koda, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens un peu fébrile par rapport à demain? Parce que genre j'ai connu ces émotions, tu vois. Allez. Je sens que tu es entre excitation, doute, frustration. Moi je te le dis honnêtement, jusqu'à ce que le technicien vienne et que je fasse l'imbécile. En faisant style, ouais, je sais pas, je connais rien. Eh ben, comment te dire? Jusqu'à ce qu'il me raccorde, qu'il fasse un test de ligne, qu'on fasse toute la mise à jour de la Bobox. Ah, j'étais pas serein. Hein. C'est comme on dit, hein, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Donc honnêtement, après, quand j'ai vu le débit, tu vois, j'ai pas fait le mec qui saute au plafond et tout, tu vois. J'ai dit, on va lancer 2-3 fois, on va faire 2-3 reboots. C'est complètement ça, jusqu'à ce que je puisse tenter demain soir, j'attends de voir. Ouais, ouais, exactement. Après, je te dis, si tout marche bien. Imagine, tout marche bien en Wi-Fi. Ouais, ça serait cool, tu vois. Ça t'éviterait d'acheter des RJ45, mais voilà. On se connaît, donc on sait qu'on va câbler. Parce que forcément, tu auras un meilleur débit, mais. Toi, ce qui est bien, c'est que tu dois acheter des petits câbles, genre moins de 1 mètre, voire juste 1 mètre. Donc ça c'est cool. S'y fait lui. Ouais c'est bon. Ah ouais t'as des... qu'on appelle ça? T'as des RJ45 en 6E?
Sauf si t'as des 6 E, c'est parfait quoi. Si t'as des 5, c'est un peu limite quand même. Mais si t'as des 6 E, c'est très bien quoi. C'est là qu'il faut que j'aille? Ouais. Parce que c'est super important d'avoir des 6 E. Si t'as un meilleur débit, tu peux envoyer du bois. Et là, c'est moi qui vais me faire des boitasses. Attention. Attention, mesdames et messieurs. Là, ça sent le... Ça sent la cuve, là. Ça sent la cuve. Voilà. Ça sent la cuvasse. Ah, je crois que c'est celui qui... Ah ouais, je crois savoir c'est lequel. Voilà, il va arriver. Il va tomber du ciel. Et je crois que c'est lui qui va me rendre fou, en fait. Non ? Ouais, t'es qui toi ? Ah mais c'est encore toi ! Mais comment ça se fait que c'est encore toi ? C'est encore toi. Oh Seb, oh, t'as fait n'importe quoi. J'ai fait du n'importe nawak. Le vieux boss là qui va durer 100 ans. Non. Je vais te dire heureusement que... Peut-être pas trop m'approcher de lui parce que... Voilà, j'ai appris mes points, il me démonte. Plus. Mais c'est quoi cette barre d'énergie, mec? Us. Ah ouais, quand même. Non, faut faire ça, monsieur. Ouais, c'est bon, ça je t'avais vu. Ace. Là, je savais pas où il était ce tarba. Là j'ai fait de la merde là. Là j'ai pris Là j'ai pris cher. Oh là là, je prends cher pour rien en plus. Là j'ai pris cher pour rien. Faut que je me recharge un missile, il est en train de me défoncer. Nawak. Après j'enlève pas beaucoup cette arme. Ah ouais, j'enlève pas beaucoup mais du tout en fait. Ouais, on va essayer de changer d'arme. Ouais, les missiles classiques, comme lui j'enlèverai potentiellement. Seb, t'es sérieux quoi là? Par hasard, je retombe dans son éclair. Lâche-moi. Combien j'enlève avec mon missile normal? 69 quand même. Ça forme la jeunesse comme on dit. Non. Alors qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Seb, ça va ou quoi? Le Maxime, quand même, le Maxime il est là. Bah écoute, ça va, comme tu vois, je suis en galère après me faire défoncer. Mais écoute, sinon ça va. Voilà, là je suis contre un boss qui est en train de me ravager. Le
essayer de s'en sortir comme on peut. Au Marseille. Voilà. Ah, c'est à dire qu'en plus il m'a touché. Ok, super. Ouais, c'est jouable, tu vois, mais. C'est jouable, mais j'ai fait de la merde. Voilà. Exemple. À la limite, il vaut mieux que je meure proche d'ici. Comme ça, je pourrais récupérer mes. Putain, mais il fait combien le truc Tape-toi. Parce que finalement, j'enlève pas mal. Ça me remet de la vie, ça. Ça me remet que de ouais. Us. Donc là, je vais mourir bêtement, mais regarde. Oh, cela régale. Ça sent le sapin, mon grand. Eh ouais, ça sent le sapin. J'ai fait de la merdasse. À moins que d'un coup, Bobby s'en sorte par un miracle. Oh putain. Aïe 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 aïe. Ouais, non mais écoute, je vais passer avec les missiles normaux. Voilà, parce que j'ai vu que celui-là c'était pas top. Après il y a ça, je pourrais tester, mais le missile, ouais, était plutôt pas mal, le missile de base. Ça sent le sapin, il m'a dit. Ça sent le sapin de Noël, ouais. Non, avec le missile peut-être de base, ça va aller peut-être un petit peu mieux. Je dis ça, mais... La persévérance. Jamais rien lâcher, Mino. En attendant, hop, on va revenir avec l'arme normale au cas où. Cette séquence est offerte par... Alors attends, qu'est-ce que ça dit là? Ah merci, bah écoute, c'est Chocolate. Voilà, c'est Chocolate. Ok, super sympa. C'est un site pour le chocolat. Tiens d'ailleurs, il faut que j'interdise les... Qu'on appelle ça? Il faut que j'interdise les liens de site. Voilà. Parce que là, sinon, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Hop. Non. Ouais, faut que j'aille voir dans mon Streamlabs pour pas qu'on puisse mettre de... Ouais, c'est ça, les URL. Je me rappelle même plus. T'imagines? Je me rappelle même plus comment ça s'appelle, quoi. Mec, ça fait 2 ans qu'elle a plus streamé. Il en peut plus. Il sait plus comment ça marche, quoi. Donc... Bah écoute, tout va bien, voilà, donc, ça suit son cours, comme on dit. Ça suit son cours, tranquillou bilou, quoi. Donc, tout va bien, tout se passe bien, voilà, y a pas, on a pas à se plaindre, quoi. Voilà. Donc après, tout ça, ça rentre dans le cadre de la vie privée, donc forcément, je n'exhiberai pas la vie privée des gens. Mais non, écoute. Tout va bien dans la meilleure des mondes, donc il n'y a pas de problème. Je file manger, on se tient au jus, mon cèpe pour demain. Ouais. Merci d'être passé en tout cas. Et franchement, envoie le message, envoie la visio, envoie tout quoi. Voilà, tu me diras si ça a tout bien fonctionné. Et je te le souhaite en tout cas. Des bisous. Merci d'être passé, copain. Alors. Normalement, je devrais aller ici et me faire éclataxe. Mais bon, j'espère que ces missiles... On va attendre que la barre le remonte tranquillement. Ouais, non, c'est le plus important, tu vois. Tout va bien, tout est ok, donc... voilà. Donc je vais juste dire à mon frérot de passer sur le live. Voilà. Le live Twitch, bien évidemment. Ça va faire plaisir de voir le frérot sur le Twitch. Alors, est-ce que là on est bon? Voilà. Voilà. Alors, on va voir si par contre ces missiles sont plus...
Ils sont, ouais, certes plus efficaces, mais... Le combat va durer un peu longtemps, je pense. Allez, let's go. Très bien. Le combat va être un peu intense. Voilà, détends-toi. Ouais, le combat va durer un petit moment, je sens. Tu vas où là? Oula, je suis pas surpris de mec. Est-ce que... Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Allez, on y croit. Et ouais, putain, y'a un truc qui te fait chier là au milieu là. Rends fou ces trucs là. Hop là. Désolé si je suis pas concentré sur le live là, du moins sur le chat, mais là il y a urgence. Pourquoi en fait? Ça dégage déjà ces petites oui, mais encore. Ah, ça me rend fou ça là, hein. Des petits trucs là, ça sert à rien. Putain, mais sans déconner, hein. Casse-toi. Rien là. Et ouais, je devrais plus le jouer comme ça. Ça, il va y en avoir de plus en plus, ça va me rendre fou. Re le Pierrot. Re le copain. Aïe. Merde! Ah, super! Et ouais, précipitation là, ça sert à rien gros.
Ah, j'essaye des techniques. J'essaye de la technique, mais ça ne marche pas. Voilà, je vais mourir encore une fois. Magnifique. Précipitation, c'est la mort. Ouais, non, mais j'essaye de trouver justement la bonne technique, tu vois, la bonne stratégie, mais là, ça paye pas du tout. Et il me rend fou avec ces petits trucs là. Alors, parce que là, j'ai ça, mais ça m'a pas l'air terrible. Je vais voir si je peux pas y équiper autre chose. Ça, c'est quoi ça? Ouais, ça, on va prendre aussi. Mais je vais voir si je peux pas lui équiper autre chose. Parce que là, j'ai missile, j'ai ça. Là, c'est quoi? Ouais, ok. Une arme qui tire des œufs étranges. Là, tu vois. Lance des petits blocs brûlants qui aident l'utilisateur. Je pense qu'il faudrait que je teste, tu vois. Là, je vais l'enlever. Ça, c'est quoi? Ouais. Faut tester, de toute façon. Là, j'ai plein de trucs aussi en bas, tu vois. Augmente la vitesse d'obtention. La portée des tirs du blaster. Il faut test. Oh, alors ça c'est une vaste blague, tu vois. Restaure progressivement l'énergie lors de la course. Ça, comment te dire? Non, mais je vais essayer d'autres trucs. Je vais essayer autre chose. Ça, je sais pas si ça va marcher finalement. Bon, de toute façon, hein, on va tester. Ça prend 5. Voilà. On va voir ce que c'est, ça. Ok. Qu'est-ce que c'est, ça? Ok, bah, écoute, let's go. Partir à l'aventure, hein, j'ai envie de te dire. On est là pour tester. Hein. Je trouve une méchante arme qui justement le défonce bien. Que ce soit la map, il me semble que j'ai plus que ça à faire. Le rouge. Ouais. J'ai vraiment plus que ça à faire. Donc écoute, let's go. Allons voir si ça fonctionne. Bon, essaye de te renseigner pour Bouygues là. Voir si tu peux pas choper, te rattraper quelque part, te raccrocher à une adresse ou. Ça, tu peux pas rester comme ça, mec. C'est pas possible. Lâchez-moi. Voilà, merci. Mais ouais, faut que t'essayes, quoi. Franchement, s'il y a moyen que ça marche, let's go, quoi. En tout cas, mon pote là, Koda, il va tester, tu vois, il reçoit ça demain, j'espère qu'il va le recevoir demain. Et puis si ça marche, franchement, c'est cool, tu vois. Ça va faire plaisir, quoi. Alors. 10, ouais, super. Alors le problème, c'est que c'est 10. Ok, mais genre, tant que... Ah ouais. Tant qu'il vient pas, en fait. Parce que pourquoi tu viens pas, en fait, frérot? Oh là, j'ai oublié de sauter. De Marseille. Bon, 10 par 10, on va pas aller loin, les gars. Ça, c'est quoi? Genre, on dirait que ça lui redonne de la vie. C'est une blague. Ah, ça peut pas lui redonner de la vie, ça, papa. Imagine, ça marche bien. J'ai bien dit imagine, hein, tu vois. Plus Seb.
écoute, ça n'a pas l'air mal ça. Je sais pas c'est quoi ça va être sa phase 2, mais non. Ça n'a pas l'air mal ça. Vas-y, continue à me parler, tu m'intéresses. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Bah, ça fait bien un an et demi que je suis comme ça, je suis plus à ça près moi. Mais ouais, je retiens l'info, c'est pas con comme truc. Surtout si c'est data illimitée. Bah ouais, ça va. Honnêtement, si tu trouves un gars, même tu t'arranges avec. Je sais pas, quelqu'un, je t'en fous, tu vois. Tu dis, oh mec, c'est pour me dépanner, let's go, tu vois. Oh yes! Bah écoute, voilà, j'ai trouvé une méchante méthode en fait. J'ai trouvé une méchante méthode en fait, il va pas faire un pile au boss. Tu vois, comme quoi. Bon, on va se détendre quand même, tu vois, on va essayer de se rassurer. Tu vois, après tu prends tout ça là. Tu lèves la taxe. Écoute, en tout cas, bon, on va essayer de quand même de finir. Bon, il paraît qu'il est mort. Là, mon gars. Il paraît qu'il est mort. Tiens, cher. Caresse du soleil, Jus. Yes, merci papa. Bon, c'est assez drôle parce que je récupère des objets tout écrit en français et tout. Et genre, par contre, les. Qu'on appelle ça? Genre, les succès sont en anglais. Donc, ça, c'est drôle. J'ai récupéré. Quoi d'ailleurs? Très bon, c'est. Ces petites boules là. Autant ça c'est de la merde. Autant les tomates, genre c'est de la dégueulasserie. Mais autant ça. Non mais c'est une blague. Genre ça coûte 4 et il me reste que 3. Je sais pas. Ça ouais, je le dégage. Ça m'a saoulé là. Voilà. Merci le Pierrot. Ça fait zizir. Le soutien, papa. Donc, eh ben, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai dû récupérer un truc de malade. Caresse du soleil. Les attaques au corps à corps volent de la vie. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça coûte 6, ok. Réduit la chaleur et octroie un blindage surpuissant. Ouais, après un sprint. Ah ouais, c'est vrai. Oh, il est là, le minot. Le frérot, il est là, le frérot. Ça va ou quoi? Putain, mec, on reprend les streams. Sur un méchant jeu de fou, quoi. Donc, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Ouais, j'ai vu ton message donc sur WhatsApp, mais je le regarderai après. Donc, no soucis. Donc, alors, attends. Donc, on va virer ça. Et j'ai dit qu'on allait mettre ça. Les attaques au coq, au cac, redonnent de la vie. C'est très, très bon, ça. Donc Pierrot Zangief, en fait c'est mon frère. Tout simplement. Voilà où. Donc c'est le vrai frérot du sang. Comme ils disent les jeunes. Du sang de la veine. Ben, le rétro salon en fait, il était pas loin à l'époque, il habitait. Il habitait du côté de la côte istrienne. C'était vraiment pas loin quoi. Alors apporter le composant Roper, ouais ça ok, on commence à le savoir, que je peux pas me TP avec, avec un module. Alors est-ce que je peux faire le fou? Est-ce que je peux repartir? Putain mais il y a la sauvegarde juste au-dessus. Ah ben oui. Oh, ce qu'on va faire c'est que d'abord on va faire ça. Attends, est-ce que j'ai rien là à utiliser? Non. Donc on va faire un niveau sup. J'ai 3005, je vais pouvoir en faire un seul. Voilà. Bon ça va frérot, t'as vu je restream. Yes.
Alléluia, 1080p, 30 fps. Voilà, full caméra, 1080p, au taquet, mec à 3000. Voilà. Donc, détermination, on va mettre la DTR ou pas? Non, puissance de feu. On va mettre puissance de feu. Allez, je dois filer à table. On va se casser le bidou là, bonne pizza en vue. Ben ouais, on arrive. Un bon live, un bon appétit, une bonne soirée à tout le monde. Yes, merci. De toute façon, je pense que d'ici une grosse demi-heure, 45 minutes, je stoppe. Je vais peut-être faire un maxi 2 heures. Mais voilà, après, c'est go manger moi aussi. Mais voilà, donc je voulais quand même avancer un petit peu sur Ghost Song, qui est juste incroyable. Hop, la petite sauvegarde qui va bien. Ouais, donc ouais, frérot, j'ai eu ton message, donc je vais y répondre, parce qu'en fait j'ai quasiment perdu la moitié de mes conversations, donc ça c'est pas cool, voilà, donc voli volou. Alors il a dit par contre je peux pas me TP, c'est ça, donc il faut que je remonte tout ça pour aller ici là. C'est bon quoi, vas-y là. J'espère que tous les ennemis vont pas me rendre fou. Exemple. Oh là, ils me rendent fou là, ces têtes elles explosent, elles me rendent fou. Oh sinon j'ai eu les parents aujourd'hui, donc ils m'ont dit un petit peu ouais, un peu donner les nouvelles, ça et tout, qui était bien content de sa voiture de près. Donc voilà, il était bien content. Là, moi je. Ouais, en fait, il faut se défendre, monsieur. Détends-toi. Je t'ai rien fait, moi. Voilà, ça arrive, je me suis fait défoncer, quoi. J'aime bien tous les ennemis qui se réveillent, genre quand tu fais une sauvegarde ou. Je sais pas. Je suis obligé de passer par là. Malheureusement, oui. On va s'en occuper. On va s'en occuper bien comme il faut. Chien. Non. Non, mais évidemment. Ah, cool. Ouais, donc malheureusement, on ne pourra pas garder la maison d'Isa. Voilà, ça tombe pas super bien en fait. Mais il y avait une histoire de ça. Non, mais écoute, moi ce matin en fait j'étais au Pôle emploi. Le Pôle emploi en fait il m'avait casé un truc, tu sais, pour avoir des renseignements et tout sur le community management. Donc en fait, genre j'y vais. Puis la femme me dit oui bonjour, donc voilà, donc demain nous allons commencer la création de votre entreprise, fin de semaine vous aurez votre numéro SIRET. Et là c'est une formation qui dure minimum 90 jours, donc à 60 heures semaine. Là j'arrive, je la regarde, je dis non mais je crois qu'on ne s'est pas compris en fait. Je dis je sais pas pourquoi le Pôle emploi m'envoie vers vous, parce qu'en fait c'est pas du tout ce que je recherche actuellement. J'ai dit actuellement je cherche à être employé dans une petite société en tant que ou junior ou une société qui a besoin un peu de visibilité sur internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc pour vendre leurs produits, mettre en lumière et tout. J'ai dit mais à aucun moment en fait, genre on a parlé de création d'entreprise en tant que telle quoi. Elle me dit ah d'accord. Donc après je lui explique un petit peu ce que je fais. Je dis voilà, parce que j'ai dit moi j'ai un site, patati, patata. J'ai dit moi je peux aider les petites sociétés à développer leurs produits. Voilà, donc s'ils connaissent pas trop le marché français, à mettre leurs produits en lumière, je peux travailler pour n'importe quelle marque. Je dis je m'en fiche quoi. Ça, vous voyez que quand je parlais, tu vois, genre voilà, j'avais des arguments et j'avais de quoi quoi. Et elle était genre un peu choquée que je sois là, tu vois, donc j'ai dit bah écoutez, j'ai dit là dans un premier temps, en toute honnêteté. J'ai dit c'est pas ce que je recherche à créer ma société là maintenant de suite. J'ai dit parce que je veux pas faire quelque chose de contraint et forcé. J'ai dit je veux d'abord avoir une petite expérience chez quelqu'un ou chez plusieurs clients. Voilà, j'ai dit mais prendre un petit contrat de 25-30 heures là, 25-30 heures là. J'ai dit mais là, ouvrir mon entreprise là aujourd'hui dans les 3 prochains mois, j'ai dit non en fait. Et elle comprenait pas ça, tu vois, pourquoi j'étais là et pourquoi il m'avait envoyé ici. Je dis, bah écoutez,
Voilà, donc je pense que ça va s'arrêter là. Elle me dit oui, je vais sortir votre feuille d'émergement. Et puis voilà, c'est tout. Elle me dit comme quoi vous êtes venu. Je dis ouais, je dis franchement, je comprends pas en fait le truc. Elle me dit ah, mais moi non plus. Alors, tu vois, je lui ai envoyé tous les arguments que je pouvais. Hein. Je dis non, mais. Voilà, donc elle ne comprenait pas en fait. Elle me dit ouais, c'est vrai que c'est étrange quand même que vous soyez là. Si c'est pour ne pas justement ouvrir votre entreprise. Parce que c'est une société d'accompagnement d'ouverture d'entreprise. Elle me demandait mon projet, si j'avais déjà. Si j'étais déjà parti à la chambre des commerces et tout. Je dis non en fait. Je dis pas du tout. Donc je sais pas où, pourquoi ils ont fait ça, mais non. Donc c'était un peu ça l'histoire quoi. J'ai trouvé ça très bizarre. Mais écoute, ça a duré. Heureusement que c'était pas loin. Tu vois que j'avais rendez-vous à 10h30, donc j'ai mis un petit quart d'heure pour y aller, j'ai mis un petit quart d'heure pour revenir, ça a duré un quart d'heure. Puis quand elle a commencé à me parler de ça, 60 heures semaine, le projet, minimum 90 jours de la société, j'ai dit, oh là là, j'ai attendez, là on va rediscuter, j'ai dit, parce que c'est pas ça en fait, du tout. Où il y a eu un quiproquo et on s'est mal compris avec mon interlocutrice au Pôle emploi. Ou alors, genre, elle a voulu me caser là, dis non. Par contre, à côté, j'ai reçu une quinzaine d'annonces, tu vois, donc ça c'est cool. Voilà, donc demain après-demain, je vais checker un petit peu ça, voilà. Donc, je vais prendre le temps de bien checker les annonces qu'elle m'a envoyées, si ça correspond à mon profil, tu vois, si c'est pas pour être boucher ou prof d'histoire géo, tu vois. À un moment donné, il faut être juste un peu logique quoi, dans ce que tu envoies. Donc je verrai ça demain, tranquillou. Là aujourd'hui, c'est une journée moyennement off. Tu vois, j'ai joué 3-4 heures à Hogwarts Legacy. Donc c'était fun. Très très bon jeu, tu vois. Bon, tu peux pas faire un jeu fan service parce que sinon, genre, il y aurait juste les quelques millions de gens qui jouent à Harry Potter qui l'auraient acheté. Donc là, c'est un jeu ouvert un peu 7-77 ans, tu vois. Donc c'est cool. Il est très très bon avec Sève, franchement on se régale quoi. Et puis à côté, voilà, j'ai repris les lives la semaine dernière, forcément. Et voilà. Donc j'ai dit tiens, je vais tester Ghost Song, savoir s'il est bien ou pas. Et finalement, je me la régale en fait. Sauf à part ces trucs de fou quand ça explose, que ça fait un bruit de malade là. Et des ennemis, tu sais pas d'où ils sortent. C'est pas ce qu'ils font là, tu les as pas vus à l'aller, là tu les vois au retour. Mais oui, moi je te tue moi, y a pas de problème. Putain des blobs quoi, à l'ancienne. Bon, ouais, donc tu me renverras un message sur WhatsApp pour me dire c'est quoi le code du jeu que tu voulais potentiellement. Parce que là honnêtement, vu que la discussion a disparu. WhatsApp, je sais pas, il a dû bugger, il a marqué rafraîchissez la page ou je sais pas trop quoi pour récupérer vos dernières conversations. Je l'ai fait et la mise, je crois que ça a foiré. En fait, j'ai perdu quasiment les dernières discussions de tout le monde sur quasiment la semaine, tu vois. Heureusement que j'ai pas 3000 discussions, tu vois, genre avec tout le monde tout le temps, tu vois, je m'en fous. Mais bon, toi tu m'as demandé un truc, j'avais le gars du tennis, donc ouais. Donc tu me le renvoies et. Et donc je te disais en fait le jeu tu peux le faire jusqu'au week-end prochain, te casse pas la tête. T'embête pas avec ça. Oh, vas-y, mais tu m'as gonflé toi. Ouais c'est cool, je vais avancer tranquille. Ouais, en plus si ça correspond à ce que tu voulais et tout, c'est trop bien. Profite, hein. De toute façon, genre, pour le moment, il n'y a pas de relance, en même temps, c'est RPG. J'avais déjà fait un autre trail, donc le gameplay, pareil, ok, ça roule. Bon, en tout cas, tu sais quoi, mec, genre, je suis pas encore conscient du fait que, tu vois, on est la fibre, mais voilà, c'est juste un réel plaisir, en fait, de pouvoir retrouver une connexion décente. Et Cédric, en fait, il était là tout à l'heure, il m'a fait halluciner, Koda, il m'a fait halluciner parce qu'il appelle Bouygues. Et grosso modo, le mec de chez Bouygues, il dit, ok, donnez-moi votre adresse. Il dit, mais vous savez que depuis janvier 2023,
est sorti la Bbox 5G, ou la box 5G, pardon. Il dit en data illimité. Et en fait, apparemment chez Cédric, la couverture est 100% bonne. Et le débit officiel de cette box, c'est en descendant, c'est 1,1 gigabit seconde. Et en montant, c'est 58 mégas. Donc, tu vois, le montant, c'est pas non plus la folie, mais c'est déjà très bien, 58 mégas. Donc, en fait, c'est 40 euros par mois sans abonnement et sans engagement. Et puis, tu as 30 jours d'essai. Donc, Cédric, il a commandé le matos. Logiquement, il le reçoit demain. Et le mec, il a dit, vous la posez chez vous, vous mettez la carte SIM, et puis, let's go. Vous la branchez au secteur, vous l'allumez, elle va se caler sur le premier satellite qui va passer. Et il faut être juste client Bouygues 5G et que tu sois éligible. Et en fait, c'est sorti en janvier 2023 et Cédric, apparemment, il est éligible. Donc écoute. Voilà, croisons les doigts pour lui, parce que lui, c'est pareil. La fibre, le mec, il a dit, ah, mais on peut pas parce que genre votre câble, il passe sous la piscine. Et en fait, il y a un écrasement de câble. Il lui dit à moi, est-ce que vous fassiez une tranchée? Il dit, si vous faites la tranchée, à vos frais, nous, il n'y a pas de souci. Donc Cédric, il a dit, ouais, bien sûr, c'est la fête du slip, quoi. Donc voilà. Donc il est à fond. Qu'est-ce que je peux acheter, moi? J'ai combien? 8000 balles. Non, mais les gars, j'ai que 2004, en fait. Je sais pas si tu connaissais ce jeu. Il est trop bien. Octroie une charge de soins. Ah ben merde, c'est sold out. Augmente le pouvoir de guérison des noyaux de soins. Quoi? Et j'ai que 2458. Augmente le pouvoir de guérison des noyaux de soins. C'est-à-dire quoi ça? Ben voilà, donc écoute. Putain, ça faut que je me l'achète. Amplificateur de noyaux. Non mais c'est trop bien, j'ai 7-8 heures de jeu là, je suis genre quasiment à la fin en fait. Là j'ai récupéré 4 modules et tout, là je suis vachement loin, j'ai 7h30. Maintenant avec le stream, ouais j'ai 8h, 8h30 de jeu. Donc c'est trop bien. Et franchement au début je me suis dit bon je vais commencer avec ça, par curiosité parce qu'il est dans le Game Pass. Et au final genre je kiffe tu vois. Trop bien, bah, Metroidvania en même temps. Là je t'enverrai un MP sur WhatsApp à... À quoi je joue en off, j'ai un embargo jusqu'au 13 mars, donc jusqu'à la semaine prochaine. Et par contre, je sais pas si t'as vu, on a sorti le test de Scares Above, qui est vraiment très bien. Et aussi, je sais pas si t'as vu, mais il y a ma vie de geek.com. Le site est officiellement lancé. Sur PC, il n'y a aucun problème. Mais il y a 2-3 petites choses à régler. Mais voilà, il est lancé. Il tourne. J'ai retranscrit tous les articles de 2022. Donc voilà, tous les articles de 2022 sont dispo sur le site, plus ceux qu'on a fait depuis janvier 2023. Oh, il est là! Oh, il est là, le beer, il est là, papa! Ça va ou quoi? La MIFA. Oh, c'est trop bien, il y a du monde là. Bonsoir à ceux qui sont cachés. Et puis, t'es au boulot ou pas? Parce que si t'es au boulot, c'est-à-dire que tu vas couper encore le son, tu vas juste voir ma tronche. Voilà. Donc en tout cas, il y a mon frère, il y a des gars, des petits cachotiers là qui sont là. Je vais filer par contre, mec, je vais appeler Marjo et bouffer. Ok, pas de soucis. Bah, écoute, des bisous. Et n'oublie pas, tu me renvoies un WhatsApp ou je ne sais quoi. Mais voilà, donc il n'y a pas de problème. Merci d'être passé en tout cas, frérot, ça fait plaisir. Bisous, puis bisous à Marjo et bisous au chat. Ah, c'est bon, t'es plus au boulot, c'est-à-dire que t'entends ma voix de zgeg là. Ça y est, c'est la dernière. Ah, est-ce que genre j'ai fini le jeu? Yes, je m'en occupe, bon game. Ben merci. Merci, merci. Donc grosso modo, en fait, mon beer, c'est un petit Metroidvania à l'ancienne, tu vois. Genre trop trop bien. Je vais me remettre au confort parce que j'ai l'impression que... Tu vois, je glisse dans ma chaise. Donc voilà. Petit Metroidvania, j'ai déjà 8 heures de jeu dessus, donc franchement, trop bien, je kiffe. C'est Metroid à l'ancienne, Metroid, Castlevania et tout ça, donc c'est dans la veine, comme on dit, c'est le sang de la veine. Good night.
Ouais, t'as vu mon robot, il dort, il se met en mode PLS ou genre accroupi là, et il fait dodo. Mais là, ça sent mauvais parce que j'ai ramené tous les modules. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah, là, elle a vraiment fait dodo, style, elle est vraiment fatiguée. Maybe. Apprendre l'anglais avec Ghost Song. Bon, comment ça se va? Comment ça se passe à Salon de Provence? Il y a plein de nouveautés, il y a plein de trucs là. La patrouille de France est toujours là. Voilà, c'est quoi les bonnes et mauvaises nouvelles de Salon de Provence à l'ancienne? Parce qu'il n'y a plus personne qui donne des news là. Tout le monde est parti, tout le monde s'est barré des Bouches-du-Rhône. Mais ouais, je sais, mec, à un moment donné. Mais toi, tu pourras avoir des news de salon, tu vois. Genre, tu vas boire un coup au, je sais pas moi, au Quiet, tu vas boire un coup, je sais pas moi. Qu'est-ce que c'est? Fully Repair Gampler. Avec mon anglais incroyable. Oh là, c'est la loose, quoi. Oh, j'ai encore un succès dans la foulée. Part 5. Once again, help to Repair Gampler. Bah, ok, vas-y, let's go, on y va, tu vois. Attends, par contre, je vais sauvegarder. Parce que je sens l'escroquerie en fait. Oh, WhatsApp, elle m'a dit. Est-ce que j'ai Attends, comment ça j'ai plus de flouze là? Ah si, j'ai 2458. On va sauvegarder. Moi je suis un mec psycho, moi je sauvegarde toutes les 5 secondes et demie à peu près. On ne sait jamais, tu vois, sur un malentendu, je peux perdre ma sauvegarde, je peux s'éteindre. Hop, double saut, dash, bam. Allez, cours d'Endas. Bah, mon roulade, double saut, slash. Regarde. Pow, slash, attaque. Bah, 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 bah. Non, toi, on s'en tape la nouille. Moi, je vais juste parler au boss. On fait nos bagages. On sera bientôt dans l'espace. Enfin, j'espère. Quel jeu tu attends pour cette année? Wow, putain, c'est compliqué comme question. En fait, pas que j'attends forcément des jeux, forcément, à part Assassin's Creed Mirage. Parce que là, pour moi, ça va être genre déterminant, mec. Parce que soi-disant, retour aux bases, à l'ancienne, dans le gameplay, tout ci, tout ça. Bon, bref, moi, j'attends de voir. Donc, étonnamment, là, je suis en train de kiffer, mais comme jamais, genre Hogwarts Legacy. Genre très, très, très bon. Voilà, pas du tout fan service, mais genre plutôt jeu plutôt générique. Tout le monde peut y jouer, tout le monde comprend tout. Pas la peine d'être un ultra fan d'Harry Potter pour jouer à Hogwarts Legacy. Après, écoute, je fais plein de petits jeux indé, mais quel gros jeu j'attends pour cette année? Ben, j'attends en fait surtout des exclus PS5 dignes de ce nom. Voilà, de pas avoir des jeux encore voilà, qui sortent de la PS4, remasterisés en PS5, remake sur PS5, ça me fatigue un peu tout ça. Mais voilà, d'avoir un vrai jeu PS5 qui envoie du lourd. Non, normalement, il n'y a plus de côté RPG pour Mirage. Il n'y a plus de map de fou super grande qui sert à rien. Bref, logiquement, c'est ce qu'ils appellent un retour aux sources. Donc, de toute façon, tu as beaucoup d'espèces de photos ou d'images qui le comparent au 1 directement. Parce que moi, pour moi, bah, tu le sais, Assassin 1, c'est juste pour moi un chef-d'œuvre. Donc, sur plein de points. Mais voilà, donc ouais, Mirage va revenir aux sources, ils vont enlever tout le côté RPG qui a saoulé énormément de monde et qui ne servait à rien au final. Voilà, donc ça c'est mon avis, mais alors Ubisoft a enfin vu la lumière, oui et non, c'est-à-dire là il y a un mois et demi, Ubi était a annulé plein de jeux, Skull and Bones, genre à mon avis, je sais pas si ça va sortir, mais voilà, il y a quoi, Beyond Good and Evil 2. C'est pareil, tu vois, ça sort jamais. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont ou stoppées ou reportées chez eux, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc écoute. Mais voilà, donc Ubi, ouais, Ubi remonte un petit peu la pente. Je crois que l'action a été quasiment tombée à 18 ou 20 euros il y a quelques semaines. Donc ouais, c'était chaud pour eux, hein. Ils se sont pris plein la gueule et tout, c'était tendu. Ah, statue de cheval. Molly the Artist. Received a special gift from Molly. Ok, nice, bah, c'est cool, merci. J'ai reçu une statue de cheval, qu'est-ce que je suis content, quoi.
Après Atomic Earth, je me lance enfin dans Assassin's Odyssey. T'en as pensé quoi? Odyssey, je l'ai terminé. Alors pour te dire, Valhalla, je l'ai pas fini. Voilà. Odyssey, je l'ai mangé. Origins, je l'ai mangé. Pour moi, je préfère Origins. C'est là où j'ai fait mon tatou. Et Odyssey, ouais, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Si tu kiffes, justement, si tu kiffes le côté grec et tout, mythologie et tout, franchement, tu vas kiffer. Valhalla, j'étais beaucoup moins fan là. Il y a eu tellement de DLC pour clôturer les, pour clôturer Assassin, clôturer ce jeu, clôturer cette gêne. Ouais, c'était un peu complexe là. Puis moi, je suis pas du tout fan des DLC à payer. Tu vois, c'est où je paye mon jeu. J'attends le GOTY, ou je paye mon jeu, genre les DLC, mec, où tu me les files ou je les fais pas, tu vois. J'ai fait 0 DLC de 0 assassin. Voilà. Et Atomic Earth, t'en as pensé quoi, toi? Parce que je sais pas, il me tente pas trop ce jeu en fait. Donc, ah, il est là. Ouais, j'ai vu plein de vidéos sur Atomic Earth et tout, mais je sais pas, ça me dit rien, tu vois. Je suis pas trop sur la hype FPS en ce moment. Ok, donc ok, tu me confirmes que c'est pas ouf. Je pense que ça a pris un gros coup de pub, un gros coup de com. Bon, au final peut-être pas grand chose, non? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Copie de BioShock en HD. Ouais. Ben tu vois, ben voilà pourquoi, tu vois. BioShock, bon, je sais que c'est un jeu incroyable, univers incroyable et tout. Mais BioShock m'attire pas plus que ça. J'avais même pas fini le premier. Tu vois, j'étais allé pas mal loin. Mais voilà, donc c'est un univers qui m'attire pas non plus forcément. Donc voilà pourquoi peut-être Atomic Earth ne m'attire pas. Ok. Là, concrètement, après. Alors, entre les jeux que j'ai à tester pour le média, il y en a pas mal. Mais à côté, en off, je suis en train de faire Tokyo Ghostwire, qui est juste incroyable par contre sur PS5. Ça c'est vraiment un jeu de malade. Si t'aimes bien genre le Japon, les trucs mystiques et tout. Et ouais papa, le Game Pass, tu le sais. Le Game Pass, meilleure invention du monde. Genre PlayStation, ils arriveront jamais à faire ça quoi. Jamais ils arriveront à faire ça, Sony. Je veux juste que tu saches que ce n'est pas la peine, que tu en as déjà fait énormément. On peut s'occuper du reste. Bon, par contre, moi je me casse en fait, je fais quoi? Ouais, t'inquiète, non, sous ça, frérot. Ok, et grosso modo, faut que je fasse quoi? Parce que personne ne me dit ce qu'il faut que je fasse maintenant. Ça, c'est ma tronche. Allez, je vais reparler un petit peu à tout le monde, je vais faire le tour. Non, sous ça, ne sois pas inquiet, papa. Je vais bien. Moi aussi je vais venir avec vous les copains, c'est pas la fête du slip là. Tu sais genre je les ai aidés mais après genre goodbye Molly. Goodbye my lover. Ouais salut. Ok super, il y a une sensation de bien-être qui circule dans mes veines et remonte, ok super. D'accord. C'est tout? Ah vas-y, let's go. J'ai de l'inspiration, je suis en train de créer quelque chose pour toi. Bah vas-y, donne. Tu verras, c'est juste un petit quelque chose de moi à toi. Vas-y, donne. Oh, tu commences à me stresser là. Putain, je peux pas lui tirer dessus quoi. C'est quoi le prog? Alors, le prog, il est pas encore sorti. Cette semaine, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Mais le prog, bah écoute, j'aimerais bien finir Ghost Song en live. De toute façon, je le joue qu'en stream. Voilà, ça serait, entre guillemets, la boucle serait bouclée. C'est-à-dire, je reprends enfin les streams. Parce que j'ai enfin une connexion à internet. Et je finirai le jeu avec lequel j'ai repris les streams. C'est un petit peu con comme concept. Mais voilà, c'est mon truc à moi. Donc j'ai pris le jeu qui me tombait sous la main, que j'avais envie de jouer, d'être curieux. Et bah écoute,
Je l'aime bien, ça avance bien, ça a pas l'air super long, donc je vais le finir en live, ça c'est certain. Et puis après, ça sera maximum 3 fois par semaine, voilà. Et puis je vais pas entre guillemets me mettre, comme dit ma femme, la rate au courbouillon. Donc voilà. Mais on va revoir à quelle fréquence sur Switch. Ouais, sur Twitch, pardon. Donc c'est ça, ça va être 3 fois par semaine à peu près. Donc je sais pas si je fais lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi. Mais je pense que lundi, mercredi, vendredi, c'est plutôt pas mal. Et on va essayer de faire ça en soirée, si tu vois, 20h, 23h. Ça serait pas mal. Et on va surtout aussi repartir sur les soirées à thème. Donc je vais inviter des potes sur Discord. Donc je vais recréer mon salon Discord. Et voilà, donc on va se refaire des soirées à thème, on va discuter autour de ou de consoles, ou de rétro, ou de manga, ou d'anime, voilà, ou de vieux souvenirs à l'ancienne, quoi. Salut à ceux qui viennent d'arriver, bien le bonsoir. Yes, merci papa, ça fait plaisir. Mais voilà, donc ouais, ça va être ça un petit peu le truc, quoi. J'ai envie aussi de partager des moments avec des potes, et puis avec ma petite femme, on va créer en fait un créneau. Donc sur Twitch, sur la chaîne, on connaît pas encore le titre, tout ça, mais le concept, ça sera de à quoi les parents laissent jouer leurs enfants. Tu sais, souvent les parents, ils disent mets-toi devant un dessin animé ou joue à Pat' Patrouille ou Peppa Pig pour, tu vois, pour ne citer que eux parce qu'on les a finis. Moi, j'ai fait les 1000 points dessus. Mais voilà, donc comment te dire, je préfère que tu regardes Akira à la limite parce que c'est plus instructif, tu vois. Donc ouais, c'est bien aussi de savoir devant quoi on laisse nos enfants, parce que des fois ça fait peur. Donc voilà, donc il faudrait qu'entre guillemets ce genre de créneau, tu vois, attire du monde, pour justement pour faire comprendre aux gens que ben voilà, il y a des jeux où il faut pas les mettre devant, quoi, parce que ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, tu n'apprends rien. Il vaut mieux que tu mettes ton fils devant Adibou. Ou devant, tu sais, les émissions à l'ancienne, il était une fois la vie, il était une fois dans l'espace, voilà. Donc, alors, c'est cool parce que c'est pas de patrouille et c'est Peppa Pig, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est nul, mais d'une force. Ah, c'est d'une catastrophe, quoi. C'est vide de tout sens, en fait. Ah. Donc, non, faut pas mettre les enfants devant ça, en fait. C'est pas bien, c'est pas une bonne idée. Tout simplement. C'est juste pas une bonne idée. Donc nous, on va faire ça, on va essayer de se trouver un créneau et de rentrer, entre guillemets, dans la pièce à deux, ou alors ma femme sera sur son PC et je l'inviterai sur Discord, tu vois. Parce que là, tenir à deux dans ma petite pièce, c'est un petit peu compliqué. Donc, mais voilà, donc ça va être ça le truc. Et puis après, peut-être un petit peu plus tard, avec l'expérience, faire rentrer des psychologues ou des pédopsychiatres ou tu vois des gens du métier qui justement pourraient intervenir en expliquant le pourquoi du comment. Donc voilà. Donc écoute, ouais, si t'es intéressé, on va se creuser un peu avec ma femme. Bon, là en ce moment, tu vois, c'est pour pas rentrer dans les détails, mais elle s'est fait opérer, elle est un petit peu fatiguée. Donc voilà, on va prendre le temps d'y réfléchir, de faire la petite vignette, de trouver les thématiques, de faire ça. Voilà, de façon intelligente, parce que c'est un sujet super intéressant. Donc il faut aussi, avec nos vieux âges, télécharger des jeux, essayer des choses pour dire, ok, avec un œil averti, bon, pas moi directement de parents, mais en âge de l'être, de dire non, faut pas faire ça en fait. Voilà, donc certains vont le prendre mal, d'autres vont comprendre, mais le message sera de dire, vous voyez la génération de Teletubbies. Merci papa. Tu dis, ben oui, la génération de Teletubbies, ben voilà, donc comprenez un peu ce que ça fait, quoi. Donc il faut pas faire ça en fait. Il faut surtout pas mettre les enfants devant ce genre d'émissions ou de jeux. C'est important. Parce que genre, nos enfants à l'époque des Teletubbies, comment dire, c'était pas gagné, quoi. Donc ça va être ça un petit peu le truc, quoi. Et après, ben moi je vais essayer de streamer deux jeux. Et ou de faire de temps en temps une soirée à thème avec les copains, puis tu vois, inviter du beau monde, comme des mecs. J'ai un ami qui travaille chez Ubi à Montréal, j'ai 2-3 potes dont le Nemco Game Show, Nemco Show pardon, qui est spécialisé dans le rétro. J'ai Rétro Salon aussi qui fait du rétro. Donc voilà, pas mal de choses qui font que ouais, ça peut être sympa, on peut passer des soirées sympas. Donc oui, forcément
ça va bouger, mais là, le fait juste de se dire, ok, maintenant on est fibré, donc déjà ça choque un peu, parce que ça faisait tellement longtemps que pour moi c'était genre peine perdue. Mais finalement, ça y est, donc c'est réel, tu vois. C'est un peu comme pince-moi, pour voir si c'est vrai. Et puis, ouais, alors je suis pas fan du mot planning, tu vois. Mais on va essayer de faire en sorte que, voilà, ça puisse être respecté, mais pas trop non plus. J'ai pas envie de streamer pour streamer, en fait. C'est ça l'histoire. Je veux pas me forcer à streamer, tu vois. Ça me sert à rien, j'ai pas envie. Alors, je stream si j'en ai envie. Et c'est pour ça que je veux streamer juste 2-3 fois par semaine. Pour pas me mettre un coup de pression. Et puis aussi pour avoir une vie privée, tu vois. Parce que c'est bien beau d'avoir la même passion avec sa femme, d'aimer le jeu vidéo et tout. Mais si c'est pour qu'elle passe ses soirées tout le temps toute seule et moi devant mon ordinateur, non en fait. Ça marche pas comme ça chez moi. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, ouais, si ça t'intéresse, ça peut être fun. Nous, c'est volontiers. Nous, on kiffe ce genre de trucs. Donc, on va faire de quoi? Donc ça, ça va être vraiment bonnard, ça, à faire. Par contre, je sais pas où il faut que j'aille, ce qu'il faut que je fasse. Je suis un peu paumé, tu vois. Je vais essayer de remonter par là, je vais voir. En tout cas, même si toi tu veux intervenir, mec, genre tu me dis, hein, genre je t'invite sur Discord, tu balances ta petite cam et tout. Voilà, on discute, moi je t'invite. Voilà, c'était une connexion qui passe bien pour avoir la vidéo et l'audio. Nous, let's go, nous on est chaud. Hein. Nous, ça nous ferait plaisir en tout cas d'avoir du monde, des expériences, tu vois. C'est pas juste nous qui discutons et qui disons, ouais, mais genre nous on sait, non, en fait. Partager des expériences avec les autres, c'est 100 fois mieux. Donc si je peux avoir 2-3 intervenants à chaque fois, ça serait juste super fun. Puis faire un max de pub, tu vois, autour de ça. De dire ben, tel jour, telle heure, voilà, donc on va parler de ça. Et puis ça peut amener du monde. Et puis ça peut amener aussi des discussions et dans le chat. Et entre guillemets en visio, en direct. Donc ça peut être fun. Et ça peut être surtout constructif en fait. Parce que souvent, ouais, tu joues aux jeux vidéo, c'est boum boum pam pam, c'est cool. Mais voilà, donc essayer d'avoir aussi un petit peu de recul par rapport à ça. Il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie, donc il faut aussi voir un petit peu autre chose. Donc en tout cas, si t'es chaud, tu pourras même intervenir et on pourra discuter tranquillement de tout ça, quoi. Volontiers, en tout cas. I'm just going to stand here. Alors, qu'est-ce I'm qu'elle me not dit? moving, so don't shoot. Alors, je mets les voiles quand j'entends quelqu'un. Alors, ok, super. Ah, il est là. Comment il va? Comment ça va, le copain? La forme? Oh, c'est cool. Là, il y a du va-et-vient. Vous passez, un qui part, un qui vient. C'est chouette. Ça fait plaisir. Moi, ça va. Moi, ça va. Écoute, petite journée calme. Voilà. Ce matin, anecdote sympa avec le Pôle emploi et une de leurs boîtes sous-traitantes, c'était très drôle. Mais écoute, un petit peu d'Hogwarts Legacy, la publication de notre test de Scares Above, voilà, après-midi calme, traiter les mails, faire 2-3 petits partages, publications, et là, bah, écoute, bientôt 2 heures sur Ghost Song, où je pense bientôt arriver à la fin. Mais là, honnêtement, par contre, j'aimerais bien savoir en gros ce qu'il faut que je fasse. Parce que là, j'ai ramené tous les modules et tout, et puis je suis un peu coincé. Et donc, je sais pas si t'es arrivé, mon ami, si t'es au courant un petit peu de ce dont j'ai parlé, c'est que on va faire un créneau avec ma compagne sur à quoi on laisse jouer nos enfants, que ce soit ou jouer ou télévision, enfin, ou tu vois, des trucs de la vie de tous les jours, tu vois. Donc ce qui pourrait être un sujet intéressant, qu'est-ce qu'il fait lui? Ce qui pourrait être un sujet intéressant pour plein de monde et de se dire que finalement, non, faut pas laisser les enfants jouer à Teletubbies parce que c'est juste pas bon en fait. Voilà. Donc il faut pas faire ça. Donc si le cœur t'en dit, le jour où on met ça en place,
Eh bien, en tout cas, tu seras le bienvenu si ça t'intéresse et tu pourras même intervenir sur le sujet. Alors là, j'essaie de comprendre où il faut que j'aille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais en tout cas, écoute, tu me tiendras au courant. Moi, je suis chaud, je suis intéressé. Le sujet me parle. Donc écoute, c'est en tout cas, c'est tu te forces pas, c'est avec plaisir. Si t'as envie, tu viens, tu peux assister. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, ok. Ok, vas-y, reste là-bas. Arme incroyable et magique. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Et il va pas bien dans sa tête celui-là. Cette arme est incroyable, n'empêche. Donc, en tout cas, moi ça me ferait plaisir. Écoute, si tu passes et que le sujet t'intéresse, on pourra échanger volontiers quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va mettre en place avec ma femme sur que ça soit jeu vidéo, que ça soit animé, que ça soit dessin animé. Donc voilà, donc faut pas laisser ses enfants devant n'importe quoi sans avoir au préalable regardé ou s'être intéressé justement à ce qu'ils regardent ou à quoi ils jouent quoi. Oui, tout à fait. Ah ouais, alors là, de toute façon, maintenant, depuis que j'ai la fibre, que j'ai repris les streams, tout va se passer là, donc sur Twitch. Et on essaiera de faire intervenir justement peut-être des gens du métier, quelqu'un que je connais, tu vois, qui est psychologue, pardon, pas dire de bêtises, qui est psychologue et qui est spécialiste des réseaux sociaux. Donc, ça serait super intéressant d'intervenir là-dessus, tu vois. Donc pour ça, il y aurait un max de pub autour, de communication, voilà, pour qu'il y ait le plus de gens qui puissent venir et qu'on puisse discuter de tout ça. Donc franchement, ça serait chouette. Donc écoute, en tout cas, voilà, c'est prévu. On va attendre que madame se remette un petit peu et puis on va en parler. Mais en tout cas, voilà, l'idée est plus que entre guillemets lancée, c'est que oui, on va le faire en fait, tout simplement. Donc c'est une bonne chose. Bon après forcément les lives, les streams, les voilà, le classique quoi. Puis les soirs entre copains, je te dis bah tu seras invité donc avec plaisir quoi. Alors qu'est-ce que tu nous racontes? J'aurais peut-être aussi une proposition à te faire pour un talk sur le monde des festivals. Bah écoute, let's go. Moi je suis chaud hein. Si tu veux faire même un visio live, aucun problème. Sur ta chaîne, sur la mienne, moi il y a aucun problème. Voilà, au plus on est de fou, au plus on rit. Donc moi c'est volontiers. Non, moi ça m'intéresse. Voilà, il faut que j'exploite au maximum donc les possibilités d'internet, donc de visibilité, de réseaux sociaux. Il faut montrer aux gens un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. Il faut parler des salons, petits, moyens, grands, des connus, des moins connus. Voilà, donc des sujets en tout cas super intéressants quoi. Ça c'est sûr. En tout cas, ouais, ça ferait plaisir. Moi, je suis chaud en tout cas. Donc, c'est toi le boss. C'est toi le boss, tu me dis. Puis, let's go, on est parti. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ces petites boules là? Ok, il se passe rien, il y a juste ça là. Attends, il y a une sortie en haut. C'est moi qui. Non, c'est moi qui hallucine. Ok. Ouais, mais quand tu veux, moi tu me préviens quelques jours à l'avance, tu vois, on se cale et tout. Après tu me dis où, quand, comment, tu vois, j'en parle à madame, on peut intervenir tout seul ou à deux, ou tu vois, on peut faire plein de trucs. Parce que forcément, bah, tu l'as vu en convention, voilà, donc elle kiffe aussi, donc elle est là pour couvrir les événements, pour rencontrer les gens, donc ça c'est... Voilà, ça c'est important pour elle. Et donc là d'ailleurs au Angers Geekfest, donc on va essayer d'avoir 2-3 interviews de personnes qu'elle aime bien. Donc voilà, donc volontiers. Nous on est ouvert à la discussion, à l'échange. Et tant que c'est positif, let's go, on y va. Hein. J'ai regardé ton interview de Ronnie, très sympa, il est content de consacrer du temps. Ouais, en plus ça a été particulier parce qu'honnêtement, juste avant d'installer ma cam. Donc en fait l'anecdote c'est j'avais envoyé mes demandes d'interview
mais qui, avec mon ancienne connexion, était resté dans mes brouillons. Donc, comment te dire, j'ai pas l'avant-veille, donc j'envoie un mail au service com. Et elle me dit, ah non, mais j'ai pas eu tes interviews. Bon, bref. Le samedi, je croise Ronnie, je lui demande gentiment une photo. Et je lui dis, bah écoute, potentiellement, on a une interview, j'attends qu'elle soit validée, tu vois. Et là, il me dit, ah ouais, mais comment ça et tout. Il me dit, attends. Donc, il s'en va, 5 minutes après, il revient, il me dit, t'as de quoi faire la captation là? Je dis, ouais, je vais au vestiaire, je reviens. En fait, c'est lui qui a calé mon interview. Voilà. Donc, et puis, avant d'installer la cam, on discute, on rigole. Ah, je te kiffe, mec, t'es un bon délire et tout. Et finalement, on a passé quasiment le week-end, tu vois, à se côtoyer, à échanger, tout ça. Super sympa. Et donc là, on discute sur Insta, mec, super cool et tout. Vraiment, comme on dit, le bon gars, quoi. Bon, ça fait plaise, quoi. Ça fait plaise. Bon, franchement, ouais, top, quoi. Bon, après, tu vois, j'aurais aimé qu'elle ait un petit peu plus de vues, justement, pour montrer un peu le gars qui il est, tu vois. Parce que c'est un gros fan d'animaux. Il prend soin de ses animaux et tout, tu vois. Un mec super chill. Voilà, enfin vraiment un mec top, quoi. Donc ouais, j'aurais bien aimé mettre un petit peu plus ça en avant sur les partages, sur les réseaux. Bon, après, bah écoute, les gens iront la voir peut-être un petit peu plus tard. Ou... Oh, ce nez qui me gratte. Ben pour Angers, ouais, je vais m'en occuper là, demain. Je vais envoyer un petit message, qu'on appelle ça. Je vais envoyer un message un petit peu à la com là. Putain, je glisse dans ce fauteuil, c'est quoi ce merdier là? C'est moi qui me tiens pas droit, quoi. Je glisse. Ouais, donc je vais envoyer un petit message là pour voir un petit peu si je peux faire 2-3 interviews. Ce serait super sympa. En plus leur salle d'ITV est vraiment cool. Donc écoute, on croise les doigts, à voir. Hein. Ça pourrait être fun en tout cas. Bon, niveau game, je vais encore jouer 10 minutes, un quart d'heure, et puis après, on passe à table. Voilà. On va passer à table. Ah non, ils se réveillent pas eux. Super, parfait. Ah, il est énervé lui. Voilà. C'est vraiment bien d'avoir pensé à la presse avec la salle dédiée. Ouais. Ouais, parce qu'il y a certains salons, bon, des fois c'est juste par moyen, ben, ils ont pas. Ça c'est par moyen physique et moyen financier, donc ils ont pas. Donc tu te retrouves, on appelle ça, à faire ça dans un brouhaha, c'est la cacophonie, bref. Puis après il y a des salles qui des fois sont pas dispo, parce qu'ils calent tellement d'interviews en même temps que toi t'arrives là, ben, t'es mis un peu, ou directement sur leur stand, ou tu vois, c'est pas facile à gérer, chose que je peux comprendre, tu vois. Mais c'est sûr que je préfère, dans mon cas, en plus avec ma captation directement dans mon caméscope, je préfère avoir une salle un peu plus acoustique, un peu plus feutrée, ou... Ben ouais, c'est un peu plus cosy, facile pour s'entendre, quoi. Après, bon, ça c'est les aléas, entre guillemets. Bon, faut-il que j'aille dans ce jeu-là? Murmurer dans les fissures de la grotte, dites bonjour à notre invité des hauteurs. Quoi? Oui, par contre, effectivement, il te faut un micro. Depuis que j'ai investi, c'est vraiment nettement mieux, même sur les stands. Ouais, non, mais carrément, tu vois, j'aimerais bien aussi faire ce genre du micro-trottoir, tout ça et tout. Mais là, ouais, ça demande un petit peu de monnaie, donc je vais voir. Comme je te dis, j'ai mon jack de Montel qui déconne. Mon caméscope, ben, il n'y a pas de jack pour captation avec micro. Donc c'est un peu compliqué, je fais avec les moyens du bord. Voilà, j'ai de la chance ou d'avoir des fois des salles ou que les intervenants parlent assez fort, tu vois, donc ça c'est cool. Et que j'arrive avec le logiciel de montage à réduire un petit peu le son de la deuxième piste. Donc tu comprends ce que je veux dire. Mais des fois c'est vrai que c'est pas du tout évident, quoi. Donc des fois tu galères justement à ce que la captation rende bien. Donc pas facile, mais j'essaie de faire au mieux. Donc écoute, bon, en tout cas bien le bonsoir à ceux qui arrivent, qui sont là, ça fait plaisir. Ouais, je peux faire de la synchro. Alors en fait, ce que je peux faire, c'est que
J'ai comment on appelle ça? Je sais plus. Tu sais, j'ai un dictaphone. J'ai un dictaphone numérique. Donc tu vois, je pourrais, oui, m'en servir et puis après faire refaire du calage, tu vois. Donc honnêtement, je pense que ça peut être une solution de secours. Voilà, donc le dictaphone est plutôt de bonne qualité. C'est un Sony, il me semble. Donc je pourrais faire ça en attendant, tu vois. Faire de la captation vidéo avec la cam ou avec directement mon smartphone. Et puis après, voilà, juste je refais de la synchro vidéo son. Donc ça pourrait marcher, tu vois, ça pourrait le faire. Honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je vais essayer de lui trouver une mousse, par contre. Ça, je vais trouver ça sur un site bien connu à l'autre bout du monde. Donc voilà, je vais lui mettre une petite mousse. Mais ouais, ouais, c'est clair que je vais gagner en temps et en qualité. Je sais plus sur... ben, je l'avais fait pour Christophe Lambert. Alors en fait, il faudrait simplement... Ah ok, nice. Il faudrait que je regarde un petit peu l'interview de Christophe Lambert, qui était dans les mêmes conditions que celle de Ronnie, c'est-à-dire sur un siège extérieur avec du brouhaha. Et il faudrait que je vois la captation que j'ai, tu vois. Si la captation est meilleure entre celle de Ronnie et celle de Christophe Lambert, sur laquelle j'avais utilisé justement le dictaphone, donc à voir. Donc ouais, je sais, la mousse est indispensable, forcément. Donc il faudrait que je vois ça en fait. Mais je pense que oui, c'est vrai, tu me fais penser que ouais, j'ai mon dictaphone, donc il faudrait que je le ressorte tout simplement. Et que voilà, je reprenne la main dessus et que je me refasse justement la main. Parce que des fois, tu sais, moi, si je l'utilise pas 2-3 fois, j'oublie, j'oublie tellement. Je promène, mais je sais toujours pas où il faut que j'aille. Hein. Non, l'oseille, parce que en plus, est-ce que j'ai quelque chose qui me dit ma mission? C'est quoi ça? Une fois le travail terminé, ouais, ok, super, mais encore. J'ai rien qui me dit entre guillemets ma mission ou ce qu'il faut que je fasse ou il faut que j'aille. C'est chelou là, comme. Assez étrange quand même, parce que là, ok, je vais remonter. Je vais voir s'il n'y a pas le... Ah, lui, il est énervé, lui, par contre. Voilà. Oh, cette arme, elle est incroyable. Cette arme est incroyablement puissante. En tout cas, c'est cool, ça fait plaisir. Il y a du monde qui passe, on discute et tout, c'est trop bien. Après, je vais pas non plus m'éterniser, parce que je vois que ça fait déjà 2 heures que je stream. Le ventre commence à crier famine, donc je vais faire la petite sauvegarde à mon QG et puis après c'est go manger parce qu'il commence à faire faim. Hop, mais quel jeu incroyable, n'empêche, je m'étais pas plus attardé dessus. Alors qu'est-ce que tu me racontes? J'ai investi cher, j'ai mis un moment pour budgéter et cagnoter dans le wireless pro, ouais, normal, un pack podcast. Allez, 3 micros de qualité. Ah oui, ok, ça je vois ce que c'est. Ouais, non, carrément. Tu me montreras volontiers, mais... Tu sais, il y a aussi... Je vois, c'est un petit boîtier avec des micros croisés, il me semble. Mais écoute, ouais, je serais curieux, tu vois. Même en prendre un d'occasion, tu vois. Je pense que tu pourrais bien me conseiller, tu vois. Parce que comme on dit, mieux vaut un qui sait que 10 qui cherche. Donc voilà. Donc pourquoi pas, volontiers quoi, en tout cas à l'occasion, ça serait super sympa. Parce que moi je préfère demander à ceux qui savent. Comme on dit, il n'y a que les vrais qui sachent. Mais non, volontiers, honnêtement, je suis preneur de tout bon conseil, surtout en audio vidéo, surtout en caméscope et en prise de son, parce que je suis pas bon. Autant tu me dis en télé tout ça et tout, en high-tech, ok c'est cool, mais là de ce côté là, non, je suis... Je l'avoue, je suis pas bon. Donc, ouais. Volontiers. Tu m'envoies même un petit message sur Insta ou Twitter. Tu sais, je réponds. Moi, il n'y a aucun problème. Donc, voilà.
Avec plaisir en tout cas. Puis merci à ceux qui sont là, qui passent de temps en temps, qui font le petit coucou ou qui juste qui regardent quelques minutes, ça fait toujours plaisir. L'audio c'est la base, mes vidéos sont pas excellentes mais le son est bien et c'est l'essentiel. Ouais non, je suis d'accord. Je suis d'accord. On n'a pas des caméras de fou à 4000 balles, mais voilà, à notre niveau on s'en sort. Mais je trouve que ouais, toi tu as du très bon son et les podcasts sont vraiment très bons. Donc ouais, ça fait plaisir en tout cas. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ça c'est acheté. Moi je voulais acheter ça. Non mais c'est une blague en fait. Ah si, je peux acheter les deux. Voilà, j'ai tout acheté. Voilà, j'ai tout acheté, je vais sauvegarder. Et puis je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. Mais non, je suis d'accord, l'audio... Tu vois, ma petite cam, elle filme en 1080p, tu vois. Donc c'est très bien, j'aurais pu faire ça avec mon téléphone aussi. Mais ouais, malheureusement... Ou alors, faudrait que j'achète un appareil en Bluetooth, mais je pense que je vais avoir ou du décalage ou de la perte de qualité. Donc voilà, pas top, pas ouf comme expérience. Donc en tout cas, voilà, bah écoute... Super sympa d'être passé, puis merci à tout le monde d'avoir fait un petit bout de chemin avec moi sur ce live qui a duré 2h10, donc ça c'est chouette. Donc là il est temps de s'arrêter, d'aller manger un petit bout, de profiter de la soirée avec ma tendre et chère, voilà. Donc ouais, donc pour ceux qui sont encore là, qui sont encore sur le live, je vais essayer de faire un planning, voilà, pas évident... Parce que sinon ça me contraint à me forcer à respecter ce planning. Mais au moins 2 à 3 fois par semaine, je pense, des semaines prochaines, ça peut se mettre en place. Je vais choisir mes jeux. Des jeux qui seront mis à jour, qui seront encore disponibles dans le temps, donc c'est-à-dire des jeux physiques. Voilà, on s'entend bien. Ou des jeux des maths achetés. Et encore, des fois on n'est pas à l'abri d'une mise à jour ou d'une incapacité d'y jouer. Mais voilà, donc je vais faire mes petits choix de jeux. On va pas prendre des jeux qui cassent la tête. Peut-être faire un petit peu de Dreamcast qui est là, sous la main. Un peu de Switch, la PS5, voilà. Donc pour le moment des consoles HDMI. Bon, la Dream, j'ai un convertisseur. Faire un petit peu de rétro, donc voilà. À voir. Bon, en tout cas, merci. Merci d'être passé, ça fait zizir. Je vais vous laisser avec une petite musique de fin. Qu'il va falloir que je change parce que je la trouve un peu agressive. Donc merci tout le monde. On va vous mettre un petit message sur le chat quand même. C'est important. Voilà, avec un petit cœur pour le love. Merci à toutes et à tous. Passez une belle soirée. Au plaisir. Moi je vais aller grignoter un petit bout avec ma chérie. Voilà, donc je vous laisse. Et puis bah écoutez, comme d'hab, je stream un petit peu au bon vouloir, et puis je pense que dès la semaine prochaine on va essayer d'être un peu plus carré sur le stream. Voilà, donc je vous abandonne là. Sur ce, merci à toutes et à tous, passez une belle soirée, à très vite, ciao ciao, bye.